Salut tout le monde, c'est Olivier aussi, j'espère que vous allez bien. Moi ça va hyper bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le drone à pointe pour faire des kills sur les différents drapeaux de la map Greenbound et Riot. Donc c'est en domination. Je remercie les chaînes communautaires qui acceptent de m'upload et je remercie également WatchX qui m'a aidé à trouver ces spots pour vous les faire partager. Bonne vidéo les gars. Et donc on se retrouve tout de suite avec le premier spot, c'est sur Greenbound, le spot A et B où vous mettrez derrière ce petit muret. Vous visez le plus haut possible par rapport à B. Donc voilà, ça va faire un tir en cloche, vous vous alignez bien avec le point B. Vous tirez en l'air et ça va rentrer comme dans du beurre. Donc on va passer maintenant tout de suite au spot de Greenbound, le point A vers le point C. Donc pour cela, dès que vous respawnez, vous allez tout simplement aller sur le poteau que vous voyez sur cette image. Vous allez viser par rapport au soleil, donc votre réticule de visée, je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon voilà, il faut qu'il soit au milieu du soleil. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à tirer, et ça va rentrer aussi normalement à tous les coups au début de partie. Maintenant, on va passer de C sur A, donc voilà, l'inverse de ce qu'on vient de voir maintenant. Dès que vous respawnez, donc voilà, ça met un peu de temps, hein, vous allez directement faire un petit double jump et monter juste derrière le rocher. Donc, le conseil que je vous donne, c'est voilà, votre réticule de tir au jugé. Le petit point à droite, vous allez l'aligner avec en haut les écritures chinoises. Donc voilà, je sais pas si je me suis fait comprendre, mais en gros c'est à peu près ça. Et ça rentre. Donc le point C jusqu'au point B, vous allez vous mettre collé dans le coin. Vous allez viser par rapport à l'arbre. Donc voilà, votre réticule en bas, il doit être par rapport à la branche tout en bas de l'arbre, au milieu des fleurs roses. Voilà, et en même temps aussi, il faut s'aligner par rapport au point B quoi. Et vous tirez, voilà, généralement c'est là où ils prennent les pauses, donc ça va. Maintenant on passe à la map Riot. Donc pour cette map Riot, le point A au point B. Donc voilà, vous allez tout simplement vous coller à votre drapeau A, viser le plus haut possible en vous alignant également par rapport au point B. Vous tirez et ça fait un tir en cloche et ça rentre. Du point A au point C maintenant. Donc cette fois-ci, il va falloir aller très vite. Je vous conseille de prendre le couteau sur cadençage et poids plume. Voilà, donc là vous allez tout simplement vous mettre dans le coin de la poubelle, viser au milieu de ce muret, et votre réticule gauche doit vraiment se coller au haut du muret, je sais pas si je me suis fait comprendre, et en même temps voilà, vous vous alignez par rapport au drapeau C, et là ça fait un across the map, le mec qui, voilà, qui est sur le point C, ben, ça le tue facilement, mais il faut quand même aller assez vite. Maintenant du point C au point A, donc l'inverse. Alors pour ce point C, vous allez tout simplement spawn, et montez sur le petit, comment ça s'appelle, le petit ponton là, le petit muret. Vous mettez au-dessus de la barrière. Vous voyez le petit grillage, voilà. Vous collez vraiment de façon à ce qu'on ne voit plus que le haut du petit grillage au-dessus. Et vous allez coller votre réticule gauche à ce grillage tout en vous alignant au point A. Et là, bah, ça vous fera un across the map. Maintenant, on va passer du point C au point B. Donc pour ce spot là, pardon, ça va être assez simple. Vous allez tout simplement vous mettre au milieu du banc, sur le petit banc là, au milieu. Vous allez viser le plus haut possible en vous alignant au point B. Et là, pareil, ça va faire un tir en cloche pour tomber directement sur le point B. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que ces petits tutos, enfin ce petit tuto en vous montrant ces différents spots, vous aideront à bien commencer vos parties par exemple, ou bien commencer votre deuxième manche de domination. Donc voilà, je remercie, comme je l'ai dit en début de vidéo, les chaînes communautaires qui acceptent de m'upload si je passe sur ces différentes chaînes. Et même sur ma chaîne, n'hésitez pas à mettre en commentaire les deux prochaines maps que vous aimeriez voir. Donc voilà, vous laissez un petit j'aime si cette série vous plaît. Et ensuite, voilà, si vous voulez deux autres maps pour ces spots-là, mettez-les en commentaire. Avec WatchX, on prendra les deux maps les plus demandées, pardon, et on le fera pour vous dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao les gars.